What's up, everybody? Un autre City Skyline? Bro, il me parle tout le temps du recycling, mais tabarnak, bro! Revenez-en, esti. Je le sais, on recycle. Whoopi freaking do, vous avez tout le bac bleu. Cool. Fourni par votre gouvernement de Historio-Jutreville. Ok, aujourd'hui, on est en 2047. Now, this shit. J'ai goût de faire quelque chose right now avec this shit. Parce que ça, c'est pas supposé d'être là. C'est juste là, temporairement. Puis si jamais je mets des trucs ici, d'après moi, ça va pas mal reach à aller ici dans le coin de cette ville-là. Parce que, tu sais, il y en a ici, pas mal pour ici, I guess. Eux autres, c'est pas mal tout le monde. I don't fucking know, genre pas mal ici, I guess. Puis si je mets des incinerators ici, peut-être que ça va aider eux autres. En tout cas, je présume, mais là, ils disent que j'ai souvent des problèmes de garbo. Il y a genre des crétins d'un fois comme eux autres, là. En ce moment, ils ont des problèmes de garbo. C'est sûr que si je les mets à l'autre bout de site, ça va pas venir jusqu'ici. Mais ça veut dire que eux autres ne font pas le fucking job. Tu sais quoi? Whatever. Yeah, aujourd'hui on va faire ça. Puis créer d'autres industries sales comme ça. L'affaire c'est que j'ai pas terriblement de demande pour cette industrie sale là. J'aurais une demande si j'ai plus de population cave. Puis c'est ça que je veux faire aujourd'hui. J'ai mis plus de commercial puis de residence. Je pense peut-être faire une autre passerelle ici. Pour quoi exactement? Peut-être une école secondaire. Ou en haut ici, maybe. I don't know encore. Je vais mettre aussi des gros crises commerciales. De ce bord-là, je suis sûr que ça me dérange pas. Est-ce que j'en mets de ce bord-là? Ou sur cette route-là, maybe? Je pense que ça va créer trop de trafic, fait que... Yeah, non, je pense pas que je vais en mettre plus que ça. Ici, ça me dérange pas, là, mais... Par contre, ici, il peut y avoir des buildings, d'autres building sets, ça me dérange pas. Ok. Fait que... Populez-vous, man! Populez-vous, I don't care! Mais je vais quand même créer un petit quelque chose ici. Ouais, tu sais quoi ça va donner si je fais ça? Oh, de la jank. Oh, de la jank. Can I fix it, though? Oh, we got something big here. Ok. Ok. Non, ça a chié cette fuck! Alright, that's pretty good, man. Ok, fait que là, ça a fait plein de zoning dégueulasse. Dégagé de là. Bon, ce zoning-là, par exemple, wow. That's pretty ugly, my guy. Je pense que je vais mettre un parc, là, en plein milieu. Je pense que, yeah. Ça me semble être une très bonne idée. De ce côté-là, ça va pas mal être des résidences, là. Alright. I think that's good. Yeah. Ok, maintenant, un parc ici, puis une école secondaire proche du site, man. Let's do it. Ce parc-là pourrait être nice. Genre, c'est... Ouais, ça, ça fit quasiment. Faut genre que je modifie un petit peu la route, man. Parce que sinon, ça ne fit pas. Dans le fond, la route est comme trop... comme ça... Yeah! Tu sais quoi? Je mets ça là. Puis avec Mover, je vais genre bouger à ce que ce soit en plein milieu, like that. Yeah, that's good enough, man. J'aime, by the way, que c'est un large playground. Genre pour les enfants, genre. Littéralement à côté d'un boulevard. Ça, c'est quelque chose que ça ne passerait pas dans la vraie vie, man. Plusieurs parents en ce moment seraient en train de chialer right now. Mais dans City Skylines? Yeah, we don't care, man!
We don't care, it's pretty A-OK. Bon, école secondaire à Star. Je pense que je vais littéralement crisser ici sur le bord avec un plaza, là. Parce que j'adore crisser des plazas à côté des écoles. Ou un truc de basketball. Let's do it pour le truc de basketball, man. Et voilà. Bon ben, y'all good? Vous avez beaucoup de parcs à cette heure? Vous êtes content? Fait plaisir. Je veux dire, c'est une contribution pour Historio Jutraville, pour ma population, man. Tu sais quoi? Tant qu'à mettre des petits parcs BS and all that, là. Genre, ici, on va mettre genre des petits trucs de parking, là, parce que ça compte comme des parcs. Puis, non, ça c'est trop gros. Ok. Attends, on va mettre des petits trucs de parking ici, puis ici. Tiens, deux petits trucs de parking ben BS, mais qui fait la job, man. Puis, yeah, ça ding de partout, man. Eux autres, ils dingent aussi. They do be digging. Digging. Ok, maintenant, je vais faire mon petit quelque chose ici. Industrie. Mais encore une fois, si je mets de l'industrie. Parce que je sais pas quoi d'autre mettre ici, genre. Tu sais, une spécialisation. Y a-t-il une spécialisation, justement, que j'ai pas encore faite? D'après moi, non. Peut-être, genre, oil? Où est-ce que je m'en vais déjà pour ça? Ah, ici. Alright. Tu sais, ok. Generic Industry. Je sais pas c'est quoi la différence entre qu'est-ce que j'ai fait ici, puis Generic Industries. Ah, ok, c'est un Remove the Specialization of the Selected District. Ok. Mais dans le fond, grosso modo, ça, genre, je peux cliquer là-dessus, puis ça sera plus un Ore Industry. Ok. Parce que c'est ça. J'ai fait les Farmers. J'ai fait le Ore. J'ai pas fait le Oil. Thing is... Bon, oh, building has burned down, McCallis. Thing is... Ici, il n'y a pas tant de oil. Il n'y a pas eu beaucoup de place... Genre que du oil. Tu sais, comme ça, c'est à l'extérieur de la map. Là-bas, c'est à l'extérieur de la map. Ça, c'est à l'extérieur de la map. Ça, c'est à l'extérieur de la map. Tu sais... À moins que... je peux me spécialiser en oil... Pis faire en sorte que je génère ma propre oil. Maybe. Puis j'ai quasiment le goût de le faire, man. Tu sais quoi? On va faire quelque chose encore une fois de nouveau. Que j'ai jamais fait. Fait que... yeah, let's do it. Tu sais, j'ai fait les farmers aussi. Yeah, let's do that. Je pense pas que j'ai nécessairement besoin... Tu sais, parce que c'est sûr que si je mettais de l'industrie de oil, on va dire ici... À un moment donné, j'aurais tellement siphonné le sol qu'il y aurait juste plus de oil. Comme un peu qu'est-ce qui est arrivé un peu ici, là. Je veux dire, j'ai tellement siphonné le sol de minerais que là, il y a juste plus de minerais. L'affaire, c'est que avec les cargos, ça marche. Tu sais, je veux dire, il y a quand même de l'industrie qui se fait ici. Puis, c'est du highly educated people. Fait que probablement que le oil... va aussi générer du highly educated workers. Let's do that, man. Je suis vraiment curieux, puis comme je vous dis, c'est la première fois du jeu que je fais ça ever. Fait que, et si jamais j'ai justement des raffineries ou whatever à faire exporter, ben ils viendront ici de les extraire, man. Yeah, that's a good idea. Now let's do it. Alright, fait que le Belmont Bridge, dude, c'est du fucking Castlevania? Hell yeah. Simon Belmont? Alright, le bridge est un petit peu haut, fait que on va le baisser un petit peu. Et voilà. En fait, il est juste haut de ce bord-là, surtout. Yeah, et voilà. That's good enough, man. Et voilà. Bon, un autre truc comme ça que j'ai fait environ ici aussi. Même affaire, en fait. Je pense que je vais mettre aussi une route qui va relier aussi de là à là, puis de là à là. Même chose ici. Pour l'instant, I don't care. C'est juste pour me donner une idée de à quoi ça va ressembler, puis tout.
Puis je pense faire mon oil industry, genre juste ici. Je pense pas utiliser cet espace-là. Je sais pas quoi faire avec cet espace-là si jamais je décide de faire quelque chose. I don't know. Alright, fait que je termine les routes. Et puis, je vais vous retrouver dans quelques minutes. Oh, attends, I guess que ça ressemble à ça, hein, man. C'est pas mon best of the best design que j'ai come up with, là, mais ça ressemble un petit peu à ça. Kinda, un petit peu plus gros. Fait que, yeah, on crée-tu notre fucking... Alright, c'est où déjà ici? Yeah. Ok, fait que là c'est l'heure de faire un nouveau district. What a great city. Yeah. Là il y a du monde qui va chialer en tabarnak parce que là je crée de l'huile. Holy shit, oh non c'est polluant. Oh non le maire, qu'est-ce que t'es en train de faire, man? Comment je fais déjà pour mettre des... Ah, c'est ici. Hell yeah, ok, parfait. Et voilà, man. Fait que... Je sais pas trop comment nommer le nom, là, sincèrement. Là. Hickory Heights? Sure. J'avais-tu... Ah oui, c'est vrai. Premièrement, il faut que je crée ce... this. Et voilà. Bon, maintenant, oil, esti. We create oil over here. Parfait. Deuxièmement, je voulais créer plus de garbo shit. Parce que celui-là... Ravi d'avoir fait ta connaissance, mais tu seras plus là, man. Où que je pourrais bien les crisser pour que ce soit... Peut-être genre sur cette route-là qui est là, maybe. On va faire une ligne complète. Tu as une meilleure place, parce que je veux dire... Either way, si je le mets proche d'ici ou proche d'ici, c'est justement proche de l'autoroute anyway, là. Fait que... On peut aller par là, puis aller cleaner... ces maisons-là, ou bien aller l'autre bord, puis aller cleaner ici, mais il y a déjà des incineration plants ici aussi. Alright, fait que si je le mets là, eux autres vont être piss mad, yeah. Puis j'en mets pas juste un en fait, littéralement, je vais en plopper partout sur cette route-là. There we go. Puis si... Peut-être aussi de ce bord-là de la route, maybe. I don't know encore. Mais, là, les Garbo... Yeah, c'est ça l'affaire, c'est que ça... Ils ont quand même de la misère à reach ici. Je le sais pas si... parce que, au début, mon plan initial, c'était créer comme des... de l'industrie ici. Parce que c'est vraiment plus proche de cette ville-là, puis en fait, de cette région de ville-là. Mais, on va essayer. Je veux dire, de ce bord-là, puis whatever. Yeah, let's try this shit. Alright. Fait que, ça ici, c'est juste temporaire. Maintenant, ça crée vos camps de là. Éventuellement, ce spot de brun marde-là va bien disparaître. Oh shit, là, c'est de l'eau qu'on... Ok! I totally forgot. Alright, y'all want some fucking water, man? I'm gonna hook you up, bro. Oh, je suis dans le rouge! Holy fuck, je suis dans le rouge! C'est parce que... Y a pas assez de boulot? C'est parce qu'il y a trop... Ok, yo, ça fait longtemps que j'ai pas été dans le rouge, man. Pourquoi maintenant je suis dans le rouge? Si je check mon budget... C'est sûr, j'ai tout crissé à 150% fait parce que je me suis dit, bon, j'ai l'argent pour, mais maintenant, c'est à cause des Garbo? Combien ça me coûte, ça? Oh, c'est beaucoup plus cher de qu'est-ce que je pensais! Ok! Ok! Alright! Tu sais quoi? Je suis archi riche, anyway. Fait que je perde un petit peu d'argent, je m'en fous. Bon, ben, eux autres... Bon, comment avez-vous burned down quand il y a littéralement une caserne de pompiers pas loin, man? Si boire. Bon, je pense que ça va venir fucker qu'est-ce que j'ai fait ici, mais... Yeah. Ah, en tout cas, whatever. Et voilà. That's good enough, I guess, comme ça. I kinda like that. Puis de ce bord-là, il va y avoir des commerces. Et voilà. Cool.
Fait que maintenant, cette partie-là de la ville est faite. Les écoles, is it good? Je veux dire, l'école primaire, il y en a une ici, il y en a une ici. Peut-être une autre école primaire à mettre éventuellement dans ce coin-là. Là. Je sais pas, man. Ouais. En tout cas, il y en a partout des acides d'école primaire. Let me tell you that, man. Mais, by the way, là, je suis rendu encore dans le poussif. Avoir mis ces crétins-là, sure, ça me coûte cher en tabarnak. Mais, je suis redevenu somehow dans le poussif. Which is pretty good. Mais, mon coverage de poubelle, on voit qu'est-ce que ça va donner. Mais, pour l'instant, I don't know. C'est à voir dans un futur lointain. Un autre crise, the building has burned down, Cibouère. Qu'est-ce que tu fais, esti de fire station, qui est pas adéquat pour 2 scènes? Je pense savoir c'est quoi le problème, maybe. Ce jeu-là est tellement fucking con, que genre la route la plus proche, c'est celle-là. Fait qu'au lieu de, au lieu que le pompier, genre, fasse ça, puis aille par en bas, puis aille là-bas, je pense que ce jeu-là est tellement tabarnakement con qu'il va chercher la première route, qui est celle-là, puis qu'il va faire le tour au grand complet là-bas pour faire un, éventuellement un U-turn à quelque part. Puis en tout cas, tabarnak de holy fucking train is this, man! Ciboire! Sérieusement, ça, là, c'est affreusement fucking... Je veux dire, c'est même pas moi qui l'ai fait, là, c'est le jeu qui est venu comme ça, là. Quand j'ai sélectionné la map et dans le 10. Mais, bro! Faites quelque chose already! En tout cas, tout ça pour dire que... je pense que les pompiers sont vraiment inadéquats. En ayant les mettre là, mais si genre je... crisse le truc là, genre à la place, d'après moi ça va aider beaucoup plus. Mais en tout cas, this game fucking weird sometime. M'a pas touché à whatever, là. Quel parc serait cool à mettre ici, genre? Pas des parkings, là. Sérieusement, man, je pourrais mettre un assez gros parking comme ça. First thing first, fuck Road Anarchy. Un parc bien ordinaire, tout petit, à mettre ici. Genre un dog park. Je sais que les dog parks, c'est très petit. Ils sont... Il est où, par contre? Ah, j'ai trouvé ça. Non, c'est quand même assez huge. Mais la fois, c'est que Small Playground, c'est aussi fucking new. Ou sinon, genre, je le mets sur le coin ici, maybe. Alright, fuck it. Dog Park en plein milieu, baby. Tain. Ayez du fun avec vos Jack Russells pis vos Dalmatiens. There we go. Et voilà. Yeah. Ah, j'aime quand même ce design-là. Ici, ben, il va pas mal avoir commerce et maison. Donc, let's plop this shit out ici. Tiens! Fait que ça, c'est fait. Éventuellement, je vais mettre des parcs ici, là. Mais, enfin, ma demande de maison est à terre. Puis aussi, enfin, ben, cette région-là est pas mal terminée. Overall. À moins que je mette de la bullshit, là, je peux toujours mettre... C'est sûr que je peux mettre plus de commerce, genre, sur cette route-là. Je pense que c'est ça que je vais faire, en plus. Ah, tu sais quoi? Yeah, let's do it, je m'en sacre. Alright, let's go. Populez-vous, man. Tain! Que ça, c'est fait. Si jamais j'ai encore plus de demandes de commercial, ben j'ai... aussi l'autre bord de la route que je peux toujours en mettre. Un autre truc éventuellement que ça me tenterait de faire, c'est que, tu sais, sur cette autoroute-là, j'ai fait un off-road, genre, quasiment tout le long. Sur cette autoroute-là, il y a juste ça, that's it. Puis ça, c'est le genre de truc que j'ai comme construit l'épisode 2, je pense. Et puis là, on est déjà rendu comme l'épisode 29 ou 30. En tout cas, continuez ça vraiment jusqu'à l'autre bout, jusqu'ici. Maintenant qu'il y a une route littéralement à côté de l'autoroute, well, un off-road site ne serait pas de tort, sincèrement. Servirait à beaucoup de choses, ce off-road-là.
Bon, je sais que j'ai pas nécessairement une demande d'industrie, mais j'ai goût d'en mettre un petit peu, justement. Genre... C'est sûr que il faudrait que je les mette à des endroits stratégiques pour que toute l'électricité pogne. Fait que... genre, pour l'instant, en mettre ici... Ici... Puis genre, peut-être ici... Comme ça, si les trois se développent, je pense que l'électricité va pas mal toucher. Peut-être ici, au cas où. Puis un ici, au cas où, cas où. Fait que genre, c'est ça, ça va toucher à eux autres. Eux autres, de toute manière, ont pas besoin d'électricité. Ils font déjà leur propre électricité en brûlant des déchets. Mais j'aimerais ça que tout ça soit relié, justement. Que l'électricité qu'eux autres font... Ben, le fasse aussi pour toute la ville. De toute manière, j'ai pas vraiment un problème d'électricité depuis que j'ai mis ma deuxième power plant. Puis je vais en avoir encore moins lorsque je vais pouvoir enfin créer des shit. Apparemment, j'ai aussi lu sur le net que Fusion Power Plant, c'est littéralement le truc le moins coûteux en termes d'électricité. Tu sais, sure, le upkeep est 8000 par week. Un power plant, c'est... 12 000 par week. Genre, deux power plants créent genre 800 MW. Puis si je retourne à lui, ils disent-tu. Ok, ils disent en bas. Power output 16 000 fucking MW. Fait que, yeah, des shit fucking busté, man. Des shit fucking busté. Puis, Juste, supprimer les deux, tu sais, je veux dire, là, les deux power plants, c'est 24 000 par week. Lui, j'en mets un. Ben, je viens de créer mon mégawattage ben plus de qu'est-ce que j'ai output présentement. Puis, ben, ça va juste me coûter 8 000. Fait que dans le fond, je vais économiser 16 000. Which is pretty good. By the way, aussi, en parlant de lire des trucs sur le net, j'ai aussi lu que... il est où le tabarnak? Eden Project est un des meilleurs trucs que tu peux crisser dans ta ville. Genre, j'ai même dit moi-même, je suis comme, I don't care parce que c'est juste un parc. Vastly increase the land value. Ça, c'est fucking bon apparemment. En court terme, ta cité va prendre un fucking hit parce que tout va tellement upgrade que genre, à court terme... ça se peut que ta ville soit dans le gros négatif sale, mais au fur et à mesure que tu avances le temps, ça va se fixer itself, puis juste générer beaucoup plus d'argent overall parce que c'est tellement fucking bon que ça upgrade. Genre, bon, littéralement, là, je pourrais mettre ce truc-là dans le coin site, puis ça pourrait upgrader une maison qui est ici. Fait que, en tout cas. De ce que j'ai lu sur internet, ce building-là apparemment est S-tier, là. Vraiment calissement bon. Mais bon, comme je vous dis, moi je suis vraiment focus pour le Fusion Power Plant, c'est lui qui m'intéressait depuis le début. Il me reste juste le Plaza of the Dead, c'est juste une question d'attendre que mes cimetières soient à pleine capacité, au moins 3. Maintenant, justement, en parlant de ça, sont où déjà mes cimetières? Il y en a un là. Il y a un petit peu plus que l'un tiers de rempli. Le cimetière croche en crisse. Yeah, c'est ça. C'est tout rendu environ un tiers, man. C'est long, man, que c'est long. Well, il faut... C'est juste attendre. C'est ça le problème. Alright, y a-tu des trucs ici qui... Non, pas encore. Hey, come on, man. Je vous ai mis un petit peu de place, c'était. Quoique, c'est vrai que... ils vont probablement prioriser ici avant de prioriser là-bas. Huh. Oh well. Qu'est-ce que fait ding? Something did the ding. Oui. Building has burned down. Encore? Chris, mes pompiers fucking sucks dick. C'est quoi qui se passe, man? Pompiers. Yeah. Mon... 22%, je veux dire, c'est... C'est quand même mauvais. C'est quand même haut. Ça pourrait être plus bas que ça. Ok, puisque je le sais qu'éventuellement je vais le faire, mettre un pont. Comme ça, parce que sinon, il allait fuck mon... Ok. There we fucking go, man. There we go. Alright. I like that.
Qu'est-ce que je vais mettre ici? I don't know encore. I don't know, mais je le sais que j'allais le faire un jour ou l'autre. Fait que... yeah. Probablement juste mettre des maisons. Beaucoup plus banlieue que qu'est-ce que j'ai fait ici. Peut-être genre un semblant de ça. Yeah, ça pourrait être une bonne idée. Badabing, pompier ici. Et badaboum, police ici. On va enlever ça là, parce que je sais que ça va créer de la merde sinon. Police. Et voilà. Et there we fucking go. Et voilà. Plus de coverage, baby. Parce qu'il en manquait un petit peu dans ce coin de ville-là. Bon. J'ai agrandi un petit peu ici. T'as l'air une plante en ce moment, mais whatever. Je vais juste comme mettre une maison ici. La seule et unique raison, c'est que ça me tente à ce que l'électricité pogne. Puis je suis quasiment garanti que si je mets une maison là, avec l'électricité de ce genre floating café là, va pogner là. Éventuellement là. Éventuellement il va bien popper là. Comme eux autres, d'ailleurs, il y en a aucun qui a encore popé, man. Il n'y a aucun des dudes qui veut popper ici. Ils ne croient pas en Hickory Heights. Que j'ai pas encore changé de nom, by the way. Peut-être que je vais le faire. Maybe. Maybe not. Bon, ben, il manque encore des commercial zones. Fait que je vais mettre des identity ici. Sure, ça me dérange pas trop. Low density de ce côté-là. Pas ici, par contre. Puis même à la limite... nah, non plus, pas là, man. Pas trop proche du pont, là. Et voilà. Pour que ce soit plus esthétique et plus beau, c'est pas efficient, mais ça fait plus beau. Et voilà, jusque-là, I guess. Tiens, comme ça. Bon ben, maintenant, now what? Toujours pas de truc ici. Toujours pas de truc ici. Yeah. Parce que les maisons se développent encore ici. Puis les boulots se développent encore un peu ici. I guess. Ouais, une couple de places qui ont pas encore été popées. En tout cas, j'ai encore un... C'est pas vraiment un problème forcé, les poubelles. Parce que c'est surtout cette région-là, puis en bas ici, là. Well, plus à Star, mais en tout cas, surtout genre ici, puis ici, il y a comme un genre de problème de poubelle, mais c'est jamais, ça tombe jamais à assez grave pour que le monde chiole. Tu sais, comme ils vont chioler temporairement, mais après ça, après un petit bout, c'est comme, yeah, whatever, on est satisfait. Puis après ça, ça recommence. Hey, des maisons qui se développent enfin ici, man! Ok, l'électricité ne pogne pas. J'aurais cru que l'électricité aurait pogné. Alright. Alright. On va faire ça comme ça d'abord. Et voilà. Et vous avez besoin d'eau, man? Oh my god. Alright, I got you. Bon, bah, ok. Il peut y avoir des maisons ici, le long de cette rue-là. I don't care. Et voilà. Et, jusqu'à là. De ce bord-là aussi, je veux pas qu'il y ait de pont-là par contre, fait que... Alright, run on our key, force ground... Comme ça. Cool! Puis sur cette route-là, des commerces, et voilà. Ok, maison everywhere over here. Je sais pas si ça va exactement ressembler à ça, je veux dire, là en ce moment, c'est juste pour faire quelque chose, là. Le semblant d'un quelque chose. Ah, yes, si, ça pop enfin, man. Ah, oh, hell yeah. Let's go, on pollue la planète, man. Fait que... C'est ça l'affaire, c'est que... Il demande des educated, des well-educated. Pas mal des educated. Ok, puis des well-educated un petit peu. Aussi des uneducated, sure. Mais, alright. Parce que, c'est, je veux dire, contrairement, mettons, à les jobbins sales comme ça, où c'est que, je sais qu'il y en a une couple que... Où c'est qu'ils sont? Well, là, à moins que c'est parce qu'ils ont upgradé, ça se peut ça aussi, là, mais... parce qu'ils ont upgradé maintenant,
il demande plus de educated. Maybe. Puis ici, ouais, ok, ici, c'est vraiment, ça demande du monde pas bon, là. Mais, encore une fois, je pense que c'est parce que, justement, quand ils sont comme level 1, c'est du monde pas bon. Mais, ouais, c'est level 1 ici. Lui, il est rendu à level 2, fait que là, il demande un petit peu plus de monde meilleur. Level 1, le monde sus, level 1 encore. Tu sais, c'est ça. Fait que d'après moi, c'est ça qui arrive. C'est que plus qu'il augmente de level, plus qu'il va demander des highly educated workers. Mais, là, ils sont déjà juste level 1. Ou ben, ils ont juste pas de level. Ouais, ils ont juste pas de level. C'est mettons le ore industry. Yeah, non, je pense que c'est littéralement pas de level, pis c'est ce qu'ils demandent, that's it, ça se termine là. Pas vraiment d'option de pouvoir upgrader ou whatever. Huh, ok. Interesting. Ah oh, ouais, ça commence à se développer ici, mais yeah. The not enough workers problem is still here, man. Je veux dire, c'est pas nouveau. Comme, well, eux autres, ils ont plus de problème. What the fuck? Ok, ils se sont auto-fixés, là. Huh. Tant mieux, I guess. Oh well. Bon, ben d'abord, vous êtes littéralement la seule personne qui a pas assez de workers. Je sais pas quoi vous dire, man. Ah, ben, voilà, son problème de workers, je pense qu'il s'est pas mal terminé, là, man. Alright. Est-ce que maintenant l'électricité pogne comme il faut? Non! Come on, mettez-vous ici! Je suis quasiment sûr que si lui pop, l'électricité va pogner bien comme il faut. Puis personnellement, ça me tente pas non plus de mettre des industries ici. Je sais pas pourquoi, ça va faire pas mal laid, là. Peut-être à la limite sur cette route-là. Yeah, tu sais quoi? Ouais, whatever, fine. Tiens! Maintenant, développez-vous, est-ce que Hickory Heights, c'est pas vrai qu'il va avoir que dalle! Ploppez-vous, Cordis! Oh fuck! De l'eau! Is it water that you want, bros? I got you, man! There you go! Okie dokie! Alright! Fait que, now this shit is done! Maintenant, j'ai comme réalisé que les camions avaient comme de la misère à rentrer dans cette partie de la ville-là. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? C'est littéralement aller à l'autre bout, là. Prendre un autre chemin, puis littéralement, le seul chemin qui pouvait se rendre ici ou au train, c'était par ce petit pont-là que j'ai fait l'épisode passé. Fait que maintenant, ben, il y a des camions qui vont pouvoir enfin quitter par là, aller comme ça, puis se rendre au cargo. Plus facilement que tantôt, en tout cas, parce que il y avait juste pas de chemin à part ce pont-là, comme je disais. Alright, fait que là, j'ai encore des problèmes d'employés. Ah, ok, cool. Yeah. Un petit peu de problèmes d'employés par-ci, par-là. Ici, tout aussi. Whatever, man. Alright, fait que je pense que je vais pas mal arrêter cela pour aujourd'hui. Encore une fois, grossir la ville, yeah. Pretty much it. Je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais faire ici. Probablement qu'est-ce que je suis en train de faire live right now. Des demandes un petit peu dans toutes. Les cimetières ressemblent à quoi maintenant? Je veux dire, celle-là qui est en plein milieu de la ville. Wait, where the fuck is it? I said. Ah, la moitié de fête, man. Bon, ben... Pff, prochain épisode ou dans deux épisodes, mes cimetières vont être remplis. Puis je... Peut-être enfin pouvoir faire ça, man. Ça, c'est mon défi ultime, en fait. C'est genre... Après ça, je suis pas mal content. Là, puis peut-être que... Je sais pas si ça va être la finale à cette bullshit-là. Dépendamment de qu'est-ce que je veux faire d'autre plus tard dans ma ville de paumé. Fait que, guys, c'était ça, je serai. Puis à prochain épisode. On va juste encore faire grossir ma calice de ville encore plus, man. C'est le prochain épisode. Ta gueule, toi!